tout le monde, nous content rejoindre pour nous porter pour toute nouvelle journée en main point qui a dominé l'actualité. Organisation sociopolitique Vive Haïti dans rencontre avec la presse journée jeudi a continué exiger démission chef l'État Jovenel Moïse dans tête pays en même temps Roni Timothée ak Biron Odige qui t'a réagi invité population vinn pote coller dans mobilisation qui a gain dimanche à 9 juin dans tout département pays. Un groupe étudiant dans l'université l'État tamen un mouvement protestation journée jeudi à Port-au-Prince, yo té boulé caoutchouc et puis dressé barricade dans plusieurs rues qui menaient sous champ de mars là, une façon pour exprimer revendication qui s'est mandé l'État ba yo travail. Et puis dans page internationale là, nouveaux sanctions sous deux pays Cuba, Washington annoncé interdiction vol commercial ak bateau croisière kap met tête pour pays Cuba. D'après diplomatie américaine, Cuba yo a payé prix ingérence yo dans affaires internes pays Venezuela. Bienvenue dans développement journal là dans on l'est tout l'ouvri li voyé par président Jovenel Moïse homme d'affaires Reginald Boulos a mandé chef l'État pour lui démissionner dans tête pays là li gagne jusqu'à 90 jours pour lui faire ça. Reginald Boulos qui t'a participé mercredi dans Haïti débat rappelé chef l'État que dans premier rapport coup des comptes là il était mandé pour tout monde qui dans l'État qui impliqué dans dossier Petrocaribea pour bail démission yo peut-être ça Jovenel Moïse doit bail démission d'après Reginald Boulos en coutel. Pourquoi je dis ça? Mais jusqu'à ce moment, je suis président au bénéfice du doute en termes d'éthique et de moralité. Et tout autant ça était là, je suis toujours continué à aller dans le même sens, à encourager pour que nous puissions redresser la barre et faire que le gouvernement Jovenel Moïse, que j'ai espéré en 2015 et 2016, là, ait commencé par les résultats que j'ai prévoit, qui t'a rabaillé. Mais le rapport de la Cour supérieure des comptes, a tout renversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République est accusé d'escroquerie par la Cour supérieure des comptes, qui est l'instance nationale de contrôle des comptes. Et il a le droit de se défendre, il doit se défendre. Mais c'est lui qui avait dit qu'il demande à tous ceux qui sont dans l'administration publique et qui sont indexés par accusé de se mettre à la disposition de la justice et il a même dit de retourner les fonds en passant. Donc aujourd'hui, le président doit prêcher par l'exemple. On croit que le président a perdu, il avait déjà perdu la légitimité, il a perdu aujourd'hui la légalité et la moralité d'être le président de la République. Et c'est ce qui explique mon cri. Et je crois que c'est pas le cri de Reginald Boulos. Je crois que tout homme de courage dans ce pays, tout homme de grandeur dans ce pays, tout homme d'honnêteté dans ce pays, doit avoir la capacité de dire, comme d'autres l'ont fait, qu'il est temps que les choses changent. Nous sommes à plus de 35 ans, du 36 ans du passage du pape. Il faut vous décider aujourd'hui et maintenant, sinon l'histoire retiendra que vous n'aviez pas eu la profondeur d'esprit, ni la vision du temps long qui définissent les grands hommes d'État. Que vous n'aviez pas non plus su vous élever à la hauteur des espérances et des aspirations du peuple haïtien. Et qu'il vous manquait pathétiquement de grandeur en ces moments difficiles. S'il y a un acte qu'aujourd'hui peut offrir au peuple haïtien, c'est cette capacité de dire « Je ne suis plus en mesure de gérer ce pays. » Et je vais prendre le prochain moment pour permettre une sortie harmonieuse du pouvoir. Organisation sociopolitique Vive Haïti dans rencontre avec la presse journée jeudi a continué exiger démission chef l'État Jovenel Moïse dans tête pays a en même temps Roni Timothée ak Biron Odige qui t'a réagi invité population vinn pote coller dans mobilisation k'ap gen dimanche 9 juin dans tout département pays a en suivi une après l'autre Roni Timothée ak Biron Odige. Depuis samedi soir n'a mandé peuple haïtien pour le campan débat. Ça veut dire tout côté qu'il y a deux personnes devant, il y a quatre personnes qui campent derrière. Pour nous prendre la rue, hein? Normalement, avec tout ça qu'il y a comme instrument, pour nous chercher côté l'argent Petro-Caribéen. Rendez-vous en la belle, la cafou payant, la cafou aéroport,
là en bas monument Jean-Jacques Dessalines, là dans différents coins dans pays là pour le fond seul pour te bourrer palais national. Pour une dernière chance. Pour ne pas quitter pays à sombrer net dans le chaos, ou gagner jusqu'à samedi à minuit pour démissionner. Si samedi à minuit ou pas démissionner, nous pas responsables et quel que soit ça qui passe dans le pays à tout, peuple haïtien pas porter responsabilité à, c'est pas la responsabilité pas. Nous connaissons la situation économique là, extrêmement difficile. Mais cependant, nous avons dit yo, faire un dernier effort pour nous ravitailler. Mettez de l'eau la caille, mettez manger la caille, mettez sel la caille, sac tout sac possible. Bouche ka manger, nous avons possibilité à demander sac pas gagner, sac gagner tout. Jouer qui façon capable de partager avec l'autre pour mettre un petit bagage la caille. Parce que à partir de dimanche, il va venir là, pays il va prendre l'autre tout nu jusqu'à ce que nous jouions l'argent. Ensemble, organisation politique non opposition félicité travail à courage à coup supérieur des comptes pour deuxième rapport qui montre à clair implication autorité yo. Puis loin porte-parole organisation ça a mandé pour pays amis Haïti yo désolidariser yo avec président pays à Jovenel Moïse en côté Edier Jean-Louis. N'a voyé un gros coup de chapeau bay messieurs dames coup supérieur des comptes pour dire yo travail là pas qu'on fini parce que arrêt de devoir faut que nous joignent liste non monde qui pas composé avec coup des contre faut que nous joignent liste non institution ça yo c'est non ce ça nous dit pour la région Petro-Caribéa nous pas besoin ni parti politique ni secteur politique ni personnalité politique ni regroupement politique remercier peuple haïtien. Nous dit l'agent Petro-Caribéa, c'est un agent qui pour tout peuple haïtien. Jodi a nous même dans ensemble organisation politique de l'opposition, nous dit côté l'agent hier, faut que nous capable joindre. N'a voyons appel bay pays qui dit yo ses amis Haïti yo. Tankou ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de France nous dit tout pays qui respecte tête yo pas ka ap kore yon président qui nan assassinat qui nan blanchi l'argent sel qui nan drogue. Bataille pour forcer président Jovenel Moïse gâcher Mayokli concerne tout secteur dans pays ya. Ces paroles Chile Louis d'or qui profite annoncer une mobilisation pacifique pour dimanche 9 juin cap vini là. Secteur démocratique populaire invite toute population cap subi mauvais la vie vin exprimer frustration dans journée mobilisation si là. L'autre point d'actualité, il y a un groupe étudiant dans l'université de l'État tamen yon mouvement protestation journée jeudi à nan Port-au-Prince, yo té boulé caoutchouc et puis dressé barricade dans plusieurs rues qui menaient sous champ de masse là, yon façon pour exprimer revendication qui s'est mandé l'État ba au travail, jeune sa yo qui voyait jeter toute l'idée puis ta quitter pays a pour mauvais la vie, menacé à poursuivre mouvement ça jusqu'à ce que rejoigne satisfaction en suivre déclaration yon nan protestateur yo Bernard Guillaume, il était dans micro Pierre Bensa Placide. Oh,
Là, nous pas faire violence, nous a faire résistance. Parce que l'État fait violence sur nous chaque seconde qui passe. Je dis, au monde qui travaille, malgré le travail, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Alors, ouais, nous-mêmes, jeunes garçons, avec jeunes femmes, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la page internationale journal là. États-Unis a ajouté nouveaux sanctions sur deux pays Cuba. Washington a annoncé interdiction vol commercial avec bateau croisière cap met tête pour pays Cuba. D'après diplomatie américaine, Cubains ont payé prix ingérence dans affaires internes pays Venezuela. Malgré mes ça cap gain gros impact sur l'économie, gouvernement cubain affiché journée jeudi a une solidarité qui pas négociable avec Venezuela. Ce paquebot américain est le dernier à avoir quitté Cuba. Après l'annonce de nouvelles sanctions de Washington contre le régime cubain, les croisières et les vols commerciaux à destination de la Havane sont désormais interdits. Selon la diplomatie américaine, Cuba paye le prix de son ingérence au Venezuela et de son rôle direct dans la crise orchestrée par Nicolas Maduro. Malgré ces mesures, le gouvernement cubain a affiché jeudi une solidarité non négociable avec son allié sud-américain. Ces sanctions portent un coup dur au tourisme, un pan important de l'économie cubaine. Les affaires dans la vieille ville de La Havane sont soutenues par le tourisme, mais l'arrêt des croisières à venir diminuera le flux de touristes. Cela n'affecte pas seulement les petites entreprises, mais aussi les entreprises publiques qui opèrent ici. Les États-Unis qui cherchent à asphyxier l'économie de l'île demandent le retrait des troupes cubaines du Venezuela. Cuba affirme de son côté que ses 20 000 collaborateurs ne sont que des civils, principalement des médecins. Un coup de pied dans le pays Allemagne, on travaille la santé condamné pour passer Restville en prison pour assassinat plus passé 85 personnes. D'après une autre source, infirmier ça qui a 42 l'année, t'as semblé voyer dans le pays tête sans chapeau plus passer 200 personnes pendant la faire injection médicaments pour eux. En suivant au potage. Condamné à la perpétuité pour 85 meurtres, cet Allemand est l'un des plus grands tueurs en série de l'après-guerre. Nils Hügel est un infirmier de 42 ans qui, entre 2000 et 2005, a assassiné ses victimes, âgées de 34 à 96 ans, par injection médicamenteuse dans les deux hôpitaux où il a travaillé. Mais difficile de connaître le nombre exact de ses victimes. De nombreuses personnes ont été incinérées. Nils Hügel en aurait tué, en réalité, plus de 200. Le porte-parole des victimes, Christian Marbach, s'est réjoui de cette condamnation. Mon grand-père avait une chirurgie gastro-intestinale classique, pas vitale. Et d'un coup, il a eu besoin de réanimation à cause de Hügel. Trois jours plus tard, il a à nouveau été assassiné par cet infirmier. L'homme, en mal de gloire, dépendant aux analgésiques, provoquait des arrêts cardiaques chez ses patients choisis arbitrairement et tentait de les réanimer, le plus souvent sans succès. Un procès contre des responsables des deux hôpitaux doit avoir lieu plus tard cette année, car l'un des établissements est critiqué pour n'avoir eu aucun soupçon malgré la surmortalité constatée. Pays Mexique et États-Unis ont dû reprendre les négociations, je n'ai jamais dit, dans l'idée pour joindre un accord dans ce qui a un accord avec les affaires migratoires. Pendant les États-Unis ont mis plus de pression commerciale, les affaires étrangères mexicaines reconnaissent qu'il faut que les mesures qui prennent, mais ce n'est pas sanction qui a porté solution. Pendant le mois, mes pensées, les gardes frontières américains ont déjà arrêté plus de 144 000 migrants parmi eux, 12 000 minés. En suivant. Le Mexique et les États-Unis doivent reprendre les négociations ce jeudi pour tenter de trouver un accord sur la question migratoire. La Maison-Blanche accentue la pression commerciale et hier, les autorités mexicaines ont bloqué une caravane de migrants qui transitait par le pays, jour où les chefs de la diplomatie des deux États se rencontraient à Washington. Il faut prendre des mesures, mais pas seulement à court terme, pas à titre de sanctions, mais trouver une véritable solution avec une vision plus large. C'est là où nous en sommes et ce n'est pas facile.
Depuis la semaine dernière, Donald Trump menace de taxer dès le 10 juin les importations mexicaines à hauteur de 5%. Pour le président américain, les négociations n'avancent pas assez vite et ses droits de douane pourraient grimper à 25% début octobre si aucun accord n'est trouvé. D'après les gardes-frontières américains, plus de 144 000 migrants, dont 12 000 mineurs isolés, ont été arrêtés à la frontière sud des États-Unis en mai, un chiffre record depuis ces 7 dernières années. Dans la Caba, avant d'aller mes points, nous t'arrivons à développer pour l'organisation sociopolitique Vive Haïti, dans rencontre avec la presse à journée jeudi, a continué à exiger démission chef de l'État, Jovenel Moïse, dans tête pays. En même temps, Ronnie Timothée et Biron Odige, qui t'a réagi, invité la population, viennent poter coller dans la mobilisation qui a eu dimanche 9 juin dans tout département pays. Un groupe étudiant dans l'Université l'État tamen un mouvement protestation journée jeudi à Port-au-Prince, yo té boulé caoutchouc et puis dressé barricade dans plusieurs rues qui menaient sous champ de masse là, yo façon pour exprimer revendication qui s'est mandé l'État ba yo travail. Et puis dans page internationale là, nouveau sanctions sous deux pays Cuba, Washington annoncé interdiction vol commercial ak bateau croisière cap met tête pour pays Cuba. D'après diplomatie américaine, Cuba yo a payé prix ingérence dans affaires internes pays Venezuela. C'est là nous mettons un bout dans journal là, Vladimir Désir à cause de la chérie, t'es là pour te servir. Passez un bon moment sur télévision. Bye bye tout le monde.